direct de Shinjuku. Alors Shinjuku, c'est le quartier un peu de la nuit, quoi, un peu, hein, avec prostituées, rabatteurs, etc. Déjà, il y en a pas mal, il est à peine 20h. Donc ça fait penser toujours à Nicky Larson quand il allait s'encanailler dans un quartier, bah, c'était celui-là. Donc voilà, on a fait un rapide tour pour faire quelques photos et on va rentrer tranquillement. Bon, alors le quartier de Shinjuku, il te plaît ? Ouais. Pas trop ? Bah, ça va. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Ah, très drôle. Non, mais sérieux ? Mais t'en as pas vu une ? Oui, mais il paraît que c'est le quartier de ça. Bah, il paraît, oui, d'accord. Mais il y a des belles filles et tout. Bah alors ? Mais j'aime pas quand tu les regardes de trop. Pourquoi ? Regarde, c'est la fête dans le quartier. Vas-y, avance. J'adore Shinjuku. Ça doit être compris dans le truc, ça. Ça m'étonnerait, moi. Allez, on y va. Allez. Tu veux y aller ? Mais ça se trouve, il n'y a rien dedans. Mais non, c'est pareil, il n'y a pas de... Dans le monde de Naruto. Naruto de... Bon, bah là, on est au G-World de Tokyo. Bon, c'était histoire de dire qu'on est venu, on est rentré dedans, mais c'est pas un méga truc génial, quoi. Mais bon, on s'est dit, voilà, il faut rentrer dedans quand même. Donc, il y a plein de petits dessins sur Naruto, Dragon Ball, One Piece. C'est bien fait. C'est bien foutu. Il y a quelques attractions, mais... Ouais, vraiment tout simple, c'est pas le truc de malade. Hein. D'ailleurs, on le voit tout de suite puisqu'il n'y a personne dedans. Bah, déjà, j'ai vu qu'il y en a une où il y a des bateaux. En fait, tu vas assez vite et je crois qu'il y a des images de Naruto et tout ça. Ouais, ça donne pas trop envie. Donc, on va continuer tranquillement avant de rentrer vers la maison, vers Animette. Mais voilà, c'était histoire de se dire qu'on est venu. Oui, bah, de toute façon, on a qu'une vie, hein. Exactement. Comme tu dis à chaque fois. Donc, on continue tranquillement la visite. Sort du G-World, donc c'était nul, hein, le G-World, franchement, ouais, pas... rien à voir, pas terrible, c'est vraiment bon, voilà, comme on disait, on est rentré dedans, mais bon, donc voilà, et là on entend de la musique, il y a un concert d'un groupe de chanteuses japonaises, mais le plus drôle, c'est de regarder les mecs, les fans, ils sont trop marrants, sérieux.
trop drôle, il y en a, ils font des têtes et tout, ils connaissent la chorégraphie par cœur. Viens, 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 mets-toi là. Et donc, hein, c'est drôle, hein. Explique ce qu'ils font, les mecs. Bon, on est où? À l'Olympique d'Ikebukuro et c'est différent de Tokyo. Wow, ok, bon. Donc on a 9 étages, on va en faire que 6. Ok. Et c'est le bordel, comme d'hab. Et maman est déjà là. Elle a trouvé des choses. Elle a trouvé du Dragon Ball Z, du Naruto, des petites figurines Naruto. Qui sont chères un peu, non? Ah, bah ouais, par rapport à...